Bienvenue à l'ENCPB. Vous allez pouvoir suivre les activités réalisées par nos étudiants de BTS Métiers de la Chimie dans le cadre de leur module projet réalisé en première année. Les projets sont par groupe de 4. On leur a fourni à chaque groupe un sujet qu'ils doivent traiter en autonomie. Et c'est probablement la première fois qu'ils sont amenés à travailler à la fois ensemble et avec la liberté qui incombe un travail d'expérimentation et surtout de recherche de méthodes. Ces projets ont été permis grâce à deux partenaires. D'une part, un laboratoire d'expertise toxicologique, Expertox, dans le 11e. Et d'autre part, un collège situé près de Mantes-la-Jolie. Ils ont eu un contact avec une entreprise, un laboratoire d'expertise toxicologique qui leur a fourni des protocoles confidentiels d'extraction et de dosage de la chlorphénésine, qui est donc un conservateur, dans une crème. Et donc ils doivent essayer d'adapter ces protocoles en travaillant sur une crème qu'on leur a fournie. L'objectif aussi, ce sera de rendre des comptes à l'entreprise, donc de travailler la communication, le rendu de résultats, etc. Et ils découvrent que c'est compliqué, que ça ne marche pas du premier coup, et c'est très bien comme ça. On nous a fourni un protocole qu'on doit modifier, améliorer parce que le solvant est trop toxique. On est en train de faire une extraction liquide-liquide, de tester plusieurs solvants d'extraction. Pour ça, on a fait d'abord des essais sur la crème qui n'ont pas été concluants. En général, c'est toujours très intéressant ce genre de projet et puis ça leur apporte une espèce de maturité de travailler justement avec une entreprise en partenariat. Donc normalement, tout devrait bien se passer. Et puis bon courage à eux. Les élèves qui sont derrière moi font le projet sur le miel. On a eu un partenariat avec un collège de Mantes-la-Jolie qui leur a fourni 4 pots de miel que les élèves vont analyser. Les élèves se sont orientés vers un dosage enzymatique. J'encadre et j'aide le groupe qui travaille sur le projet du miel. Un projet qui veut utiliser en biochimie un kit enzymatique. Et donc j'ai aujourd'hui préparé leurs échantillons et leurs kits. On va caractériser le miel et particulièrement le saccharose dans le miel. C'est un projet qui permet de solidifier un peu et de consolider notre entente. Ce TP, on le travaille en équipe et grâce à cela, on peut surmonter les difficultés tous ensemble pour réussir ce projet. C'est quelque chose qu'on fera beaucoup normalement en entreprise plus tard. En TP en général, nous on a tout ce qu'il nous faut, on réussit du premier coup alors que là bah, on a fait plusieurs essais, ils ont été des échecs, donc ça nous permet de voir la réalité en face. Tout n'est pas facile dans la vie, ça nous apprend à réfléchir, surtout à chercher des idées afin d'améliorer notre TP. Pendant les projets, on leur apporte un soutien technique. C'est une partie hyper intéressante de travail parce que du coup, nous, grâce au sujet de projet, on découvre des thématiques qu'on ne voit pas tous les jours. Et donc, ça nous permet aussi d'apprendre des choses et de découvrir au fil des années des nouveaux sujets. C'est un peu du travail de recherche, donc on accompagne les étudiants, mais nous, on est aussi très intéressés par leurs résultats. Ça nous intéresse de voir où ça les mène, quoi. On est ravis de la collaboration avec le lycée Pierre-Gilles de Gênes. Ça nous apporte beaucoup. C'est passionnant, c'est intéressant. Des étudiants peuvent venir chez nous. C'est en très bonne intelligence. Ce qui est vraiment important dans le projet, c'est l'émancipation des élèves. Pour moi, c'est vraiment le premier pas vers une autonomie qui sera forcément nécessaire pour une vie professionnelle où naturellement on ne suit pas des protocoles, mais où il faut y réfléchir et se lancer à des choses qu'on a confectionnées soi-même. C'est justement une chance de se dire que très tôt dans notre formation, on peut déjà avoir un projet un peu plus professionnel et de se dire que notre aide bénéficie à d'autres. Toutes ces analyses permettraient aux élèves du collège de Jules Ferry de savoir comment extraire le miel, de pouvoir le vendre grâce aux ressources de leur apiculteur avec qui ils collaborent et pouvoir bénéficier d'une certification bio. Enfin, on est ravis de pouvoir se dire qu'on peut les aider à atteindre leur but. On a fait le dépôt de chlorphénésine commerciale, le dépôt de la phase organique et le dépôt de la phase aqueuse. Là, c'est pas bon. La phase aqueuse, il n'y avait rien du tout, mais dans la phase organique, on peut voir qu'il y a bien de chlorphénésine qui est présent. Donc c'est réussi. C'était un peu dur parce qu'on n'était pas guidés, on était obligés de communiquer entre nous. Ça me permet de se connaître plus. Au début, c'était un peu stressant parce que comme c'était la première fois qu'on avait un protocole d'entreprise, dans les TP qu'on nous donne, c'est plus détaillé. Et là, on n'avait pas beaucoup de détails. À force de parler avec le groupe et les profs référents, on a réussi à trouver comment faire. Et je suis fière qu'on ait pu faire ça, sachant que... Parce qu'on a, on a eu beaucoup de soucis niveau matériel et tout, on a eu beaucoup de soucis. C'est vrai que niveau... On n'avait pas les filtres qu'il fallait. La centrifugeuse a été cassée. Elle était cassée, du coup, il fallait qu'on négocie avec d'autres BTS. Rien n'est facile, mais par contre quand on le veut, on le peut. Et le plus intéressant, c'est d'aller le plus loin possible. N'abandonnez pas, même si ça ne marche pas, il y a toujours une façon d'essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Et quand on aura compris, peut-être qu'on pourra faire fonctionner. Et ça peut servir. Voilà.